voilà de nouveau en randonnée. Je profite parce que ça va être le dernier jour de beau temps de la semaine a priori. Et là aujourd'hui il va faire vraiment très beau et très chaud. Là je me trouve au Perret près de Rambouillet, donc dans la vallée de Chevreuse, et je vais faire une assez longue randonnée puisque dans le topo guide, que je tiens à l'envers d'ailleurs, dans le topo guide elle dure 6h30. Et ben, j'ai hâte, j'ai mis mon sac à dos de randonnée là. Je suis en short et en sandales et tout. Ça rigole pas. J'aime beaucoup, mais je vous avoue que j'ai du mal à véritablement profiter parce que on va dire que j'ai des choses dans ma vie privée qui me mettent en colère. Et là, je suis pas de très très bonne humeur, voilà. Évidemment, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'est ma vie privée, mais c'est vrai que du coup, j'arrive pas à être complètement dedans. Je cogite beaucoup, je rumine beaucoup de colère. Mais en même temps, la marche, c'est aussi ça. J'en ai déjà parlé dans mon documentaire sur le chemin de Compostelle, notamment, où je me livre pas mal, ça fait chier là. Eh bien, la marche, ça me permet aussi de sortir un peu des émotions négatives. Et en même temps, là, voilà, elles sont très fortes parce que j'ai été blessée. Je suis pas à fond, quoi. Hein. C'est très joli. J'espère que je vais m'apaiser un peu après la pause déjeuner. Peut-être quand j'aurai trouvé certaines réponses. Voilà. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de penser à beaucoup de choses, mais là, je suis pas complètement dedans. Je préfère être tout à fait honnête avec vous. Mais c'est super joli, vraiment. J'espère que ça ira mieux à la fin de la journée. Voilà. Je veux plus me laisser ronger par de la toxicité. Ça fait se sentir mal. Ça pèse. Ça gâche tout. Et là, j'ai été exposée à de la toxicité. Donc je vois bien que t'en débarrasser, c'est tout un processus quand même. C'est pesant, ça fait cogiter, c'est pas bon quoi. Mais je vois bien, j'arrive pas à arrêter mon cerveau là. C'est normal, c'est récent, c'est passé des choses hier et ce matin, donc voilà, hein, forcément, mais j'en ai assez, quoi, plus de toxicité dans ma vie comme ça, c'est pas possible, ça fait beaucoup trop de mal, et la vie est trop courte pour se laisser bouffer par des comportements, des attitudes, des personnes toxiques, ou en tout cas qui sont toxiques à un moment donné, pour toi, c'est plus possible ça, la vie est trop courte. Voilà, la vie est bien trop courte. L'oiseau est d'accord avec moi. J'ai cru que j'étais en train de filmer, et en fait non, donc j'ai parlé pour rien.
Je disais que je prenais une pause déjeuner adossée contre un gros rocher, comme ça. Donc c'est pas mal, ça peut me servir de dossier si je veux. Sinon je disais aussi que ça va un petit peu mieux. En fait j'ai fait un truc qui fait un peu new age, mais j'ai vu un très beau chêne, j'ai eu envie de l'enlacer. Alors je l'ai fait et j'ai pleuré et ça m'a fait du bien. Il y a un cycliste qui vient de passer, c'est des fous. Mais je pense que c'est pas mal cette partie. Ça peut faire penser un peu à la forêt de Fontainebleau, c'est assez accidenté, il y a des gros rochers. Donc la vallée de Chevreuse, je pense que ça peut être aussi un bon secteur d'entraînement pour montagnards. Ceux qui aiment bien faire du trail ou des vélos de montagne. Je pense que c'est assez cool comme spot. Bon, en tout cas voilà, ce que je disais c'est que ça va mieux, à peu près. Je me force à manger même si j'ai pas super faim, mais bon appétit. C'est fou parce que ça me rappelle vraiment la forêt de Fontainebleau. C'est le même esprit, mais non, c'est la vallée de Chevreuse, qui finalement est peut-être moins connue. Mais regardez-moi ces rochers. Ouais, c'est vraiment la même ambiance. Puis c'est sportif, non, c'est super sympa. Et ben, il y a aussi du sable par terre, comme dans la forêt de Fontainebleau. En fait, je dois être dans la forêt de Fontainebleau, je me suis trompée. On m'aurait menti depuis le début. Par là, donc je vais par là. Et ça, c'est un petit chemin sournois que je n'ai pas vu sur une route qui traverse un village et je n'ai pas vu qu'il fallait tourner là. Du coup, j'ai fait un détour et j'ai dû revenir sur mes pas parce qu'il n'y avait plus la balise rouge et blanche. Putain, mais c'est sournois quoi! Ah, faut vraiment faire attention à certains endroits parce que sinon tu sors vite du GR. Ah, regardez-moi ça. Au tout petit chemin caché. Alors apparemment c'est le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, hein, une des portions d'un chemin. Je savais pas. Ça doit être la voie de Tours. J'en sais rien. Je suis sur un chemin de Saint-Jacques. Là, c'est le moment, tiens, de m'en rappeler. Allez hop. Je retrouve 2 jours après ma randonnée pour que je vous fasse un petit retour. Avant de parler de ce que j'ai pensé de la randonnée, déjà
Je tiens à vous dire que ça va un peu mieux. Disons que par rapport à la toxicité dont je parlais pendant ma randonnée, j'ai pris des décisions pour que ça avance. Ce ne sont pas des décisions faciles, mais vraiment mon but c'est de ne plus me laisser atteindre et ne plus m'exposer à de la toxicité, à ce genre de toxicité. Ce n'est pas vivable. Ça met dans un stress corporel et mental tellement intense, en tout cas moi ça me met dans un stress comme ça, c'est pas vivable quoi. Je suis tellement décentrée. Donc heureusement pendant la randonnée, après la pause déjeuner, quelque part par là, il y a eu quand même de longs moments où je me sentais bien, puis parfois ça revenait par vagues, de la colère, des ruminations, des cogitations par rapport à la situation que je traverse, mais ça va, j'ai quand même réussi à bien profiter. Ce que j'ai pensé de la randonnée, elle est super. Alors la vallée de Chevreuse, je connaissais très peu, j'y étais déjà allée quelques fois mais il y a longtemps. Donc je ne savais pas que c'était à ce point ressemblant à la forêt de Fontainebleau, donc apparemment c'est le même type de géographie et d'histoire géographique, mais en tout cas, j'ai trouvé ça super. C'est pour l'instant le parcours le plus sportif que j'ai fait dans mes randos découvertes, mais ça offre de jolis points de vue, la forêt est très belle, les paysages très beaux. Évidemment, il a fait un temps magnifique, donc c'était super agréable. J'ai croisé très peu de monde. Alors après, le fait que je sois partie en semaine, ça joue sans doute. Il y a peut-être plus de monde le week-end. Après, la forêt de Rambouillet est grande, donc on ne se marche pas dessus, je pense. Mais en tout cas, j'ai vraiment énormément apprécié. Alors, il y a quand même un truc que je n'ai pas compris. Le circuit proposé par le topo guide se concentre sur deux GR, le GR1C et le GR11. Et je crois que je suis partie dans le mauvais sens, à l'intersection entre le GR1C et le GR11. Il me semble que c'est ce qui s'est passé, parce que quand je suis arrivée à la fameuse intersection entre les deux GR, il y avait deux possibilités de balises, donc balises rouge et blanche, hein, pour les deux, mais c'était marqué GR11 sous l'une d'entre elles et pas sous l'autre, donc je me suis dit, ok, ça doit être la continuation du GR1C, que je ne suis pas supposée prendre a priori, ou en tout cas pas ici, je sais pas. Donc j'ai pris le GR11 et en fait je ne suis pas du tout allée là où je voulais aller, en tout cas là où la boucle voulait que j'aille. Ça c'était vers la fin de la randonnée, hein. J'ai quand même bien suivi le circuit, mais en gros, au lieu de finir à Coignières, je suis complètement allée à l'est, et j'ai fini à Chevreuse, qui n'est même pas dans la carte IGN du topo guide, qui est en dehors. Donc j'ai dû me tromper quelque part, je ne sais pas ce que j'ai fait. Du coup, quand je suis arrivée à Chevreuse, je me suis dit « Ah, mais attends, je suis pas du tout supposée être là !» Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à pied à la gare de Saint-Rémy-les-Chevreuse, et je suis rentrée en prenant le RERB. Je suis partie ce matin de la gare Montparnasse pour prendre un train dont le terminus était à Rambouillet. Moi, je me suis arrêtée avant à Le Perret, et du coup Coignières c'était supposé être sur la même ligne, je serais revenue à Montparnasse, et Saint-Rémy-les-Chevreuse c'est tout au bout de la ligne du RERB, donc c'est long, c'est long, et en fait j'ai bien plus marché que prévu. En tout cas, même si je me suis trompée à un moment donné, je ne sais pas où exactement, cette partie était quand même très jolie, quoi qu'il arrive c'est très très joli, Chevreuse c'est super beau, enfin voilà, toute la région est très belle de toute façon, donc je me suis pas sentie arnaquée, c'est juste que j'ai pas atterri là où je voulais. Ça arrive, mais j'étais pas perdue et j'ai quand même retrouvé l'accès à une gare, et si jamais je n'avais pas trouvé, j'aurais fait du stop et des gens gentils m'auraient amené à une gare, et voilà quoi, ça se trouve. On est en Ile-de-France quand même, hein, c'est pas non plus au fin fond de la Nièvre par exemple, je dis ce département complètement au hasard. Bon, en tout cas voilà, j'ai beaucoup apprécié et je reviendrai très certainement dans la vallée de Chevreuse parce que, à mon avis, il y a plein d'autres circuits. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce circuit vous a tenté. Si jamais vous avez d'autres recommandations à me faire, n'hésitez pas à écrire un commentaire, je le lirai avec intérêt. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce en l'air, hein, qui fait toujours chaud au cœur. Bien sûr, le cœur est là. Oui, bien sûr, Colline, le cœur est tout à fait ici. Bref, également, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous. Vous avez simplement à cliquer dessus et j'en serai ravie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous vous portez bien. Et quant à moi, je vous dis à lundi prochain.